Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment fabriquer une baguette de sourcier quand on n'en a pas. Donc, moi, je fais avec n'importe quoi en fait. En théorie, on devrait prendre du noisetier par exemple. Donc, moi, je fais ce que j'ai sous la main. Donc, il faut que ce soit quand même un bois assez souple, mais bon, pas non plus trop. Donc, moi, j'ai pris du trouhenne. J'ai pris une branche de trouhenne. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle fasse la forme d'un V, comme ça. Donc n'importe laquelle fait l'affaire, en fait, du moins ça fait un V. Là, il risque de se casser parce que c'est cette espèce d'argot. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever les feuilles. Vous allez vite comprendre. Ça, c'est compliqué. Là, je la coupe. En fait, elle prend la forme d'une baguette. Voilà. Et je vais aller poser les feuilles. Donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc pas besoin de c'est une forme que ce soit en fer ou autre chose, pas besoin de le payer une fortune. Donc pour faire le test, donc vous la prenez, en fait vous l'assouplissez un petit peu comme ça, à la main. Donc là ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas trop bien centrée, donc je suis pas sûr que j'y arrive. On va essayer quand même. Donc je pars sur l'eau. Et voilà. Donc je suis sur ma. Vous voyez que le bois plie et il est possible qu'il casse en fait, comme elle n'est pas droite. Vous voyez que ça tourne tout seul. Des fois le bois casse, on va voir s'il casse ou pas. Je pense qu'il est probable qu'il casse. Voilà, donc, je vais refaire, je sais que dessous il y a de l'eau. Ah, je peux plus le tenir. Tue les mains. Bon, il faut éviter qu'il y ait des petites arêtes à l'intérieur, parce que vous allez voir, en train de m'arracher la main à l'intérieur. Ah, je peux plus tenir. Vous voyez que voilà, ça m'a un peu tué les mains avec les petits bouts qui dépassent. Mais bon, même s'il n'est pas centré, vous voyez, il n'y a pas besoin, il n'y a même pas le tenir quand je redresse. Je peux pas. Vous voyez? Donc ça avec le bois c'est plus ça fait plus démonstration en fait je trouve. Avec le fer ça réagit mieux et là le bois il se plie vraiment dans la position où la branche est tordue. Donc vous voyez il n'y a pas besoin d'acheter des trucs chers avec un simple bout de bois, une petite branche, vous pouvez essayer vous-même à la maison.